Et puis chaque 21 juin, le monde entier célèbre la musique. Cette année, les mélomanes gabonais n'auront pas droit au traditionnel concert live dans les grands carrefours de Libreville, mais plutôt un concert en direct sur la toile. C'est une initiative du collectif manager culturel Estampillé, la fête de la musique à la maison. Ce concert aura lieu ce soir à partir de 21h. Plusieurs artistes sont en préparation. Ils ont été surpris par notre reporter Wivin Ovandan. La fête de la musique 2020. Cette 39e édition inédite aura partout dans le monde un format particulier. Au Gabon, la fête de la musique s'invite chez vous. Plus de 30 formations musicales sont mobilisées, mais qu'est-ce qui vous sera servi? Direction Dengayang dans le 6e arrondissement de Libreville, où nous retrouvons Diana Médé en pleine répétition. Nous avons également surpris la tigresse dans les préparations de cette fête, un bout de ce qui vous attend. Après 3 mois d'arrêt brusque d'activité, ils arrivent tous avec force et détermination pour vous faire plaisir. Une variété de genres musicaux, du tradi moderne, mais aussi du HIP et HOP, le cas d'Anelka. Pas en marge des artistes gabonais à l'extérieur du pays. Ici, le live de Tina Minkwe depuis Valenciennes en France. Toi, depuis que tu m'as touché là, je ne fais que remémorer la chose là. Musique, arme de sensibilisation, thème retenu pour ce concept gabonais, le 21 juin sera l'occasion de découvrir de nombreux musiciens et acteurs locaux mobilisés pour cet événement. Artistes et chansons s'enchaîneront.